Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour la nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour The Witcher 3. Faut quand même continuer un peu ce playthrough pour du coup le second épisode. Et dans cet épisode, on va chasser du griffon. Oui, parce qu'on avait vite fait croiser dans la première vidéo et tout. Je me suis dit peut-être ça pourrait être sympa de se battre avec. Il y avait de grandes chances quand même qu'on allait se battre avec. Et bah du coup, ça a pas loupé. Quête principale va buter le griffon. Donc on va faire ça ensemble. Alors, bon. Le griffon, c'est pas n'importe quoi quand même, hein. Je te rappelle, on est peut-être pas dans la difficulté la plus élevée, mais on est quand même dans du sang et des larmes. Et j'imagine que tu vas pas demain dans le slip si tu veux. Donc, bon, on va se préparer. Du coup, pour se préparer, la base des bases, on va forcément bien s'équiper correctement. Donc bon, l'épée en argent sur celle de base, hein, j'ai pas trouvé mieux. Mais par contre, j'ai une épée en acier qui est pas mal. Ça sert à rien sur un griffon, elle est pas mal, hein. Je l'ai crafté et tout. Et puis le torse, pareil, je l'ai crafté. Les gants, les bottes, je les ai lootés parce que j'ai fait pas mal de trucs annexes dans la zone. Et le pantalon aussi, je l'ai looté, mais j'ai pas trouvé mieux que cette merde, hein. Bon, des fois, faut faire avec. Alors, tu remarqueras que tous mes trucs sont d'armure légère, c'est tout à fait normal. Parce que j'ai, voilà, j'ai pris ça, la technique de l'école du chat. Alors, bon, t'as des gens, là, quand ils sont chinois et tout, tu vois, ils ont l'école du tigre, l'école de la panthère quand ils sont un peu vénères, tu vois. Et puis, il y a Drunge. Drunge, lui, c'est l'école du chat. Voilà, donc l'école du chat, c'est pas la même classe que l'école du tigre ou du léopard ou de mes couilles. Mais bon, bah, ça fera l'affaire, surtout que c'est assez balèze quand même l'école du chat. C'est pas n'importe quoi, regarde bien, une armure légère, chaque pièce d'armure légère augmente de 25% mes dégâts crit, de 5% des dégâts des attaques rapides. Donc t'imagines quand même qu'il y a 4 pièces d'armure du coup, hein, ils sont pas fait chier dans The Witcher, c'est pas super complet à ce niveau-là. Faut quand même éviter que les gens se perdent, hein, t'imagines comment ça... Ah, je sais pas, mais des épaulières, putain, les épaulières et tout, un saut de plus, je suis perdu, il y a trop d'icônes, comment que je fais, là? Bon, il y en a 4, donc du coup, ça fait 100% de dégâts crit, et 20% de dégâts en plus sur les attaques rapides, cumulés en plus avec ça, je augmente de 25% les dégâts de l'attaque rapide, autant dire, déjà, j'ai plus 45% par rapport à la base, plus du fait que j'ai une bonne épée. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Alors, voilà, ça, voilà, c'était vraiment la base. Aussi, au niveau de l'équipement, pour partir, j'ai... Ah, putain, voilà, il y a un bug de menu. On va quitter et revenir. Voilà, c'est bon, ça va plus, merci. Voilà, il y a l'hirondelle. L'hirondelle, en gros, ça me soignait. À la base, bon, tu vois que j'ai que 2 sur 3 utilisations. À la base, en fait, j'en ai utilisé une pour sauver une femme. Donc, il m'en reste 2. Et on va essayer de se démerder avec ça. Alors, maintenant, si tu veux, comme c'est The Witcher, t'es quand même un chasseur et tout. T'es censé, en fait, aller voir le bestiaire, comme ça. Voir le griffon. T'as le petit truc RP à droite. Et puis, en bas, en gros, on te dit sur contre quoi c'est vulnérable. Donc, c'est vulnérable aux bombes ruches. Ça coûte cher à faire, et puis je sais même pas si j'ai le plan, donc on va éviter d'en faire. L'huile contre les hybrides, j'ai vérifié, j'en ai pas. Ah, donc on va oublier aussi, hein. Tant pis le griffon, hein. D'ailleurs, une sale gueule, hein. Le griffon, il est pas là pour plaisanter, quoi. Et puis le signe arbre, ça tu l'as forcément. C'est le truc qui repousse avec du vent, donc on va au moins utiliser ça, hein. On sera pas super opti, mais au moins on va prendre ça. Donc voilà, pour le griffon, ça c'est bon. Maintenant, du coup, on va aller partir en chasse. Et aussi quand même un dernier truc qu'on va faire avant, c'est ceci. Tu vois, tac, on va utiliser ceci. Voilà, ça améliore pendant 15 minutes mes armes. Et en même temps, je vais ouvrir la carte vite fait. On va aller là-bas, au pont des soupirs. On peut ensuite se téléporter en fait dans l'autre camp, parce qu'ils sont pas chiants, hein. C'est des projets. Tu vois, ils se sont dit, putain, on va mettre le truc pour améliorer les armes dans le village là-bas. Et village à l'autre bout, on va lui faire améliorer les armures. Tu vois, ils sont de bien le faire chier avant de se préparer, si tu veux. Donc, on va aller améliorer les armures, hein, quand même. On est quand même en armure légère, donc on n'est pas en armure lourde. Donc, forcément, bah, on risque de prendre notre race. Donc, les améliorer, ce sera pas de trop. Donc, là, hop, on se téléporte au camp tout au nord de la carte. Dans lequel, en fait, on va aller chercher du coup. Truc pour les armures. Alors en plus, tu vois, comme c'est des mecs cool, faut se taper 50 km jusqu'au putain d'amélioration d'armure. Donc là, hop, voilà. Salut, moi je suis Gérald, dégage, je te pousse. Et l'amélioration d'armure, elle se retrouve juste là. Hein. Alors on dirait pas comme ça, mais c'est une petite table à la con, puis dessus t'améliores ton armure. Voilà, fais règle. Donc voilà, on a les deux buffs, on a déjà perdu une minute sur les armes. On va encore perdre. Donc là, puis sur les paires avant le combat, rien à foutre, hein. On se démerdera sans. Donc là, on va rusher en bas. Tac, tac. Et repartir ici. Voilà, voyage rapide. Alors, tac. Et maintenant, on va aller parler à mon pote Vezemir, qui est donc le vieux, hein, qu'on avait vu dans la première vidéo, qui m'accompagne pour le moment en tout cas. Et à qui je vais devoir parler pour prévenir, eh bien, qu'on va devoir aller chasser la bête de Blanchefleur, à savoir donc le griffon.
qui apparemment sera un griffon royal de type mâle qui est pas content qu'on ait tué sa femme, tout le bordel quoi. Bref, salut Vézémir. Yes. What is it, Wolf? What is it, Wolf? Au sujet du griffon, Been busy with the griffin contract. And? Ben, j'ai des informations dessus. Learn some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Et ensuite, du coup, bah, j'ai trouvé une lunaire pour une, hein. Buckthorn. Je préférais quand même charm, Buckthorn, tu vois, dans Jimmy Charin, je crois pas que ça avait été traduit le nom des plantes. C'était quand même mieux Buckthorn. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, nom, scrubbing quoi. Yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, ah, say tout the est prêt. We'll get to ah bah c'est parfait. On va pouvoir bah c'est parti, il est temps d'installer le piège, hein. On va bastonner du griffon. Let's find a good spot to ambush it. Eh oui, effectivement. Allons trouver un good spot. Other side of the stream. Enfin, il est déjà prêt et tout, quoi. Le mec t'arrive et tout, salut. J'ai un contrat, en fait, j'ai fait le griffon. Le mec il a. Ouais, bah en fait, j'avais déjà tout préparé, t'inquiète pas, Gérald. J'avais tout prévu. Le mec, tu sais, qui a une longueur d'avance sur toi. Préparez-vous à affronter le griffon quand on entend la potion tonnerre. Ah. D'accord, en fait, il me la file maintenant, la potion. Ouvrez l'onglet alchimie, blabla, créez un objet où il faut les bons ingrédients. Ok, en gros, ça y est, machin, description du truc, les objets que vous pouvez créer, et sélectionner, blabla. Ingrédient manquant, qui me dit. Ah merde, non, faut que je la sélectionne à gauche. Tonnerre. Augmente la puissance d'attaque. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Ça vaut pas l'huile contre le griffon. Mais 30 secondes de puissance avec une puissance d'attaque améliorée, ça peut être pas mal. Ok, c'est parti. Voilà. Donc, inventaire. Ok, putain, ils vont me tenir la main jusqu'au bout, hein. Alors tu vas faire ça, puis tu regardes bien là, et puis tu le prends, et puis tu fais ça. Oh là là, mais quelle bande de relous, quoi. Hop. Voilà, mais oui, je sais c'est quoi mes raccourcis, enculé là. Bon, c'est bon. C'est bon, en plus on a trois utilisations, tu vois, on en a créé qu'une, mais on a trois utilisations. Alors je crois qu'il y a donc une histoire avec les méditations pour les restaurer. Mais je sais pas s'il faut des consommables pour que ça restaure ou si ça restaure avec rien du tout. Hein, j'ai pas encore médité dans le jeu, je verrai ça plus tard. Donc, Vézémir, on va ouvrir la carte, on va voir quand même où il est exactement. Ah bah il est juste à côté. On va appeler monsieur le cheval. Coucou! Ah, il est là-bas! On se fait un peu aveugler par le soleil, mais on l'a trouvé! Eh oh! Touche pas! Gillian. Merci! Bon, allez, c'est parti! Let's go! Au galop! Ta-da-ta-da-ta-ta! Bah, faut au moins faire sa propre musique épique, hein, parce que là, l'espèce de violon en fond. Je sais pas si c'est du violon, remarque. Bah, ça fait pas. C'est pas GG, quoi. Allez, Vézémir, lui met son. Il met ça juste à côté du village, comme ça tout le monde se fait bien niquer la gueule, en plus au champ de blé, comme ça plus personne bouffe. Et pendant l'hiver, on est tous niqués. Ready? Il s'en fout, lui, hein, Vézémir, il fait pas dans la dentelle, quoi. Commençons. Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Let's go. Oh putain, oh le bâtard! Il utilise un mouton. Come on, we can cower in the shade of those birches. Il a rien demandé lui, tu vois, le mouton était là tranquille, et puis bim, ben voilà, on l'a accroché. So tell me, c'est parti. Once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No, I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes, and that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east, puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes. Well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? C'est un peu cliché ça aussi parce que souvent dans les genre dans les séries policières ou quoi, les mecs sont en train de raconter leur vie en attendant que la pas marche, tu vois. Et puis d'un coup, bing, ça arrive et tout. Ce qui, bon, en fait, va être le cas là. Oh putain! Ah, il est pas là pour déconner celui-là. That's gonna give it a warm welcome. Wait.
pièce. Quoi? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Oh, mon arbalète! Je sais pas comment tirer avec, mais j'en ai une! Wanted in a card game while you ran around. Might come in handy. Bah, ils vont sûrement me l'expliquer en mode alors, voilà, ça c'est une arbalète, ouvrez votre inventaire, voilà le slot de l'arbalète, une arbalète, ça lance des carreaux, les carreaux, tu peux les faire comme ça, alors allez dans ce menu, vous voyez, ils sont là, hop, c'est ceci, prenez cet exemple, craftez-le. Enfin bref, des tutos à la The Witcher, quoi. Te prends par la main à chaque mini-étape, si tu veux. C'est la micro-gestion du tutoriel, si tu veux. Alors, j'ai gagné aux cartes, en attendant, ça pourrait servir, peut-être, il gagne des arbalètes aux cartes, lui. C'est pas un rigolo, quoi. Allez, on va faire le mec cool. Enfin, le mec qui se reste pas parce qu'il y a un griffon, alors comme ça, tu joues aux cartes. Evils, but you're a gambler yourself. Stop talking, got a griffon to kill. Oh, c'est un détail, ça. C'est un détail, le griffon. Ah, je viens de te faire... Ah, ben non, mais c'était pas une vraie... Un vrai griffon. Oh, shit. Menu accès... Ah, d'accord, c'est comme ça qu'on a l'arbalète. Alors, tirer un carreau avec... Ah, d'accord, tu tires avec la molette de la souris. Ah bah ça, c'est super ergonomique, dites-moi, hein. Ok. Mange-toi ça dans ta gueule. Alors, on va mettre le... Oh, shit. Saloperie. Je sais pas combien de dégâts on lui fait, je crois qu'on lui fait zéro dégâts, là. Je sais pas... Oh, shit. Fuck you, bitch. Oh, on lui a fait mal. On lui a fait mal. Non, mais lâche-moi le cul, putain. Mais... Ok, on a mis la potion. Allez, il est temps de lui faire un... Oh, dans tes dents. Oh, shit. Ok. Là, ça part mal. Allez, petite hirondelle. Allez, on va essayer de se battre quand même. Ah, merde, il se barre. Ok. Donc, bon, là j'ai complètement chié hein, dans la colle. Il est où? Ah, il est là. Attention. Oh, il va die. Ah non. Non, putain. Putain, mais ça. C'est un salaud celui-là. Tiens, mange-toi du vent. Ah, mais d'accord, le vent ça lui défonce sa gueule. Ah merde, j'aurais dû attaquer de dos. Oh shit. Oh merde! Non! Ok, on est dans la merde! Damn, it's fast! Ok, je pense en fait la technique c'est qu'on va lui mettre des coups de vent dans la gueule là. Ok, donc on va attendre qu'il se rapproche comme ça. Oh, c'est bon ça! C'est ce qu'il fallait faire! Oh shit! Il va se vénère. Après, hop, on le fait tomber comme ça. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe chez papa. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Pourquoi il... Ah merde, il s'enfuit! Vite, aime sur le cheval! On y va, let's go! Andale! Putain, c'est la poursuite, quoi. Let's go! Putain, la poursuite dans les champs. Lorsque vos sens sont là, vos facultés visuelles et auditives, c'est normal, blablabla. Ok, c'est cool. Ok, d'accord. Ah ouais, d'accord, lui laisse des traces de pas en volant, quoi. Plutôt balèze, le griffon, quand même. Ok, il est là. Ah, mais faut pas pleurer, jeune griffon. C'est juste Gérald. Alors, ce qu'on va faire, quand même. Ah, merde. Merde, je voulais pas sauvegarder. Je voulais aller de là. Merci. On va aller dans l'inventaire. Ah, putain, il y a le bug, voilà. On va se mettre quand même un truc pour restaurer de la vie. Alors, qu'est-ce que j'ai? 5 secondes, j'ai du pain. Ouais, mais du pain, je suis pas sûr que ce soit au petit, tu vois. Ça m'a l'air OP, ça. Je précise pas combien ça régénère, donc à mon avis, c'est de la restauration instantanée. Ok, donc on va essayer ça. Hop. Fuck. Pourquoi mon perso n'a vu trouble? C'est pas le moment? Gérald, déconne pas. Ok, coup critique. Ah, t'as pas aimé le coup critique, je vois que dalle. Mais c'est pas grave. Oh shit. Oh fut. On court. Je sais pas où il est. Ah, apparemment ça a arrêté le combat. Très bien, on va juste que dalle, quoi. Mon perso, il est pas là pour voir des choses hein.
Ah mais l'autre il m'a carrément oublié. Voilà, et je suis là moi. Là ça va être une bonne technique ça. Ah, il a voulu s'envoler, il a pas pu. Oh shit. Reste là. Il s'est cassé la gueule le con. Ok. Non, non, oh, c'est bon, on est skippé. Dégage. Non, mais pourquoi? Oh, salaud, c'est lui qui a mis le coup. On rush. Who's next? Ok. Très bien, donc je suis pas quand même le chasseur de... Je suis pas un chasseur de folie, là, je t'avouerai. Oh shit, on l'a mis cher. Oh boum. Bon, c'était très moche, mais au moins c'est passé. Hein? Dans la difficulté supérieure, je serais mort au moins 15 fois. Hein, parce que là, faut quand même avouer que c'était pas très joli comme not combat. Bad. Not, ah, not bad. Not bad, not bad. Je suis pas fier de though moi là. You could stand to improve some things. Ah! Au moins là, là. Il est honnête. Il est honnête. Not bad, c'est pas n'importe qui peut tuer un griffon, mais t'as encore quelques points à travailler, certes, certes. Par exemple, de réessayer ça quoi. For par exemple. Upward vertical strike, it's too obvious. Je suis pas sûr que ce soit le problème dans ce que je viens de faire là. The black ones, I'll ready our horses. Meet me at the inn. Bon. Ok. Je viendrai te rencontrer à l'auberge, un vieux émir. Pas de soucis. Donc alors, ramassons. Alors, qu'est-ce qu'il y a droppé? Oh, un petit trophée. Un mutagène de griffon, ça c'est bon ça. Mutagène, c'est des améliorations quand même. Donc là, hop. Ah, cutscene. Ah, ça va, ça sort. Le griffon, il te sort le petit couteau, tu sais. Un scandale intégral, quoi. Très bien. Bon alors, on va aller vite fait du coup dans l'inventaire. Non, c'est là qu'il faut aller. Et choisir un mutagène différent. Comment je fais pour choisir? Ah voilà. Alors j'en ai un qui donne 50 de vitalité ou un qui donne 50 de vitalité. Ah ouais, c'est des super choix ça, dis donc. Ah oh, bah voilà. Merde. Non, c'est pas ça que je veux. Je vais mettre le griffon hein, histoire de faire genre. Ouais, on est trop petit quoi. Bah du coup, le prochain slot de mutagène, je le débloque au niveau 9, je crois. Ouais, c'est ça, niveau 9. Autant dire que je suis pas très loin. Bon alors, j'ai pas eu de points, non, que dalle. Niveau XP, ça j'en aurai masse à mon avis quand je vais rendre la quête. Bon bah voilà, hein, on a chassé du griffon, on a même recueilli une petite fleur, voilà. Alors c'était pas très joli, je dois vous l'accorder. Mais bon moi il est mort. Hein. Écoutez, j'essaierai de m'améliorer par la suite. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même des petites idées sympas quoi, notamment le fait quand il vole, tu lui tires à l'arbalète, du coup il se casse la gueule et tout. Peut-être que ça va. Eh, tu vas te calmer le cheval. Peut-être que ça va marcher pour il est fou, ouais, il est fou ce cheval là. Bon. Ta gueule, putain. Il me laisse parler. Eh ouais, du nerf à blette là, c'est juste un griffon mort. Oh. Fais un petit coucou à la caméra. Ah, c'est bien. Ouais, il vous donne des coups de sabot le cheval. C'est pour dire un petit coucou. C'est le petit coucou du cheval. Hein. Bon, on va quand même descendre parce qu'il nous fait chier lui. Laisse-moi parler tranquille, merci. Voilà. Bon, on voit rien que le soleil, voilà, très bien comme ça, deux profils. Gérald, il te regarde même pas, tu mérites pas. Bref, donc, voilà, c'était pas sensationnel, mais il y a quand même des idées sympas, donc comme disait, notamment le fait que, là, quand tu tires à l'arbalète, quand il est en train de charger, du coup, il se casse la gueule, ce qu'on a réussi une fois, sans faire exprès. Après, j'ai réessayé, mais j'ai fait n'importe quoi, parce qu'en fait, à chaque fois, je me suis dit, je vais quand même tirer, parce que dans ma tête, tu vois, je stressais un peu quand même, hein, faut avouer, pas l'habitude encore de l'arbalète. Et le truc en fait c'est que des fois il recharge en fait l'arbalète. C'est normal hein. Le carreau il se met pas tout seul. Le truc c'est que bah des fois j'ai l'impression qu'il y a plus longtemps que normal. Donc bah par stress j'ai un peu spammé le truc alors que normalement bah j'aurais dû prévoir le coup et tirer au dernier moment pour qu'il se casse la gueule. En tout cas en fait bah mine de rien tu fais ça plus le signe devant quand il est au sol. En fait le griffon limite il y a moyen qu'il te touche jamais. Sans trop te faire chier au niveau esquive. Donc autant dire c'est assez OP quand même cette technique. Mais bon. Pas grave, nous on a découvert à l'arrache, façon YOLO. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va juste faire ça dedans hein, pour une fois une vidéo un petit peu plus courte que la moyenne. Ça fait pas de mal. Et du coup ben, on se dit à la prochaine fois pour des prochaines vidéos. Ciao ciao.
Yo!